Attends, j'en combien? Ils sont 5? Holy shit, I'm gonna get killed. Je vais me faire botter le cul. Je pensais qu'il allait être 3-4. Avant qu'il sorte son... de la vie. Ah! Bonjour ma gang de pas fin, c'est DoomKC89, on est de retour dans Subsistance pour notre épisode 52 de notre Let's Play. C'est la saison 6. Aujourd'hui, on s'en va nager. Mais avant ça, je veux un peu continuer la... J'ai pas grand chose là, mais... J'ai pas terminé, j'ai terminé la première tour, si on veut, le premier côté. J'ai pas terminé le deuxième, je veux juste poser quelques trucs. Mais je me suis dit, ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé dans la caverne. On va y aller, on va y récupérer du cristal. J'en ai pas tant besoin, mais en même temps, je m'en sers pas pour... je fais pas de flèche premium pour ne pas passer au travers des réserves que j'ai. Fait que en ayant plus... Eh! Ok, ça va être une dure journée aujourd'hui. Ok. On va arrêter de niaiser. J'ai pas encore grignoté un peu. Je me suis pris des trucs à manger. J'essaie d'avoir le moins de stock possible sur moi, évidemment. Lorsque je descends à la caverne pour une simple et bonne raison. Si on meurt là-bas, il faut qu'on retourne chercher notre cadavre là-bas. Ce qui sera pas nécessairement facile. Il faut qu'on plonge. Fait que, mettons que mon harnais reste pris là-bas, faut que je m'en fasse un autre. J'ai les ressources pour le faire, c'est pour ça que j'ai la masse et l'énergie aussi en production. Au cas où que ça verrait au vinaigre, on peut pas faire des meilleurs. Il y a solution à ça, je pourrais couper la sauvegarde automatique. Puis si jamais ça chie, je reviens en arrière. Mais j'aime mieux pas faire ça. Parce que c'est ça, tu sais, hein, parce que j'ai pas une meilleure raison que ça, ben, juste ça me tente pas de l'oublier après, de la remettre en marche, puis de me gourer, hein, peut-être que, j'ai-tu de l'eau en production là-dessus? Non, ok, je pense que je vais en donner une à mon petit poulet. Pour être sûr que mec, je revienne, attends, je vais laisser ça là, j'ai pas besoin d'en laisser quoi. Il soit encore en forme. Et qui a encore de quoi manger. Je vais dans la vieille caverne. Ben la vieille. La première qui est apparue dans le jeu. Parce que je suis stationné à côté. L'autre est complètement à l'extrême. Complètement à l'opposé de la carte. Si je me souviens bien, on s'aligne à peu près ici là, avec le coup. Puis l'autre, là, elle est dans l'autre lac. Là, complètement à l'autre bout de la carte. Donc... ça vaut pas la peine de faire le détour à ce point, à ce niveau-là, tant qu'à moi. Puis je suis plus familier avec celle-là un peu. Je suis pas très familier avec les cavernes, parce que j'ai pas passé beaucoup de temps là-dedans. Ouais, c'est ça, t'sais. Fait que... On descend sans la bonbonne pour commencer pour utiliser notre... l'oxygène dans nos poumons pour commencer. Puis est-ce qu'on sera rendu proche de la... Et juste ici. Ok, je suis pas trop loin de la réalité. Ouais, et on embarque comme ça sur la bonbonne. Et on a traversé le point où ce qu'on est maintenant dans la caverne. On n'entend plus les sons de l'extérieur. On est vraiment comme si on était... c'est comme si ça chargeait une autre zone. Je pense que c'est fait pour éviter qu'on ait à gérer... que le jeu gère l'information de ce qui se passe dans la caverne. Si on n'est vraiment pas dedans, ça sert à rien. Oh, déjà...
assez bien accueilli en rentrant. Comme ça, je peux enlever ça sur moi pour l'instant. Ah, j'avais laissé des bonbons ici en bas. Des pioches, du bois, du cuir pour du tissu pour me faire des bandages. J'ai bien fait mon affaire. Ok, je me souviens pas, j'avais. Ben, je me souviens que j'avais fait la préparation, mais je me souviens pas à quel point. Hein, puis on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Et là, en plus, on peut trouver de la viande avec les chauves-souris dans la caverne. Là, on peut aussi trouver des champignons à cette heure. Que je n'ai pas encore trouvé dans cette partie. Je suis pas redescendu quand il y a eu la mise à jour que Cold Game a rajouté des champignons. On était hiver, hein, fait que je suis pas descendu ici. Ah ben on voit justement. Tadam! Les petits champignons. Pour l'instant, je pense que ça sert dans aucune recette. Mais ça va venir. Bon, ce charbon pareil, même si honnêtement, c'est pas tant utile. C'est juste pour. Pendant que je brûle. Quand je brûle du charbon, je brûle pas de bois. C'est vraiment pour ça que je l'utilise. Sinon, ben c'est pratique de l'avoir ici. Dans la caverne pour alimenter nos feux. Donc, moi, ce que je veux trouver, c'est du cristal. Là. Il y en a juste là. J'ai pas amené beaucoup de batterie, hein. Well. Bon, pour t'as fait un bout, là. J'en ai pas besoin, Marc. Ben, oui pis non. Oh. Une fois, ça va bien. Ah, il y a ça que j'ai pas pensé amener une antibiotique. Eh où la calite? Elle va me tuer? Ben oui, sauve-toi, Star. Elle est allée se repercher au plafond. Je savais pas qu'elle faisait ça. Ah, je t'ai touché, là. Là, t'auras pas le choix de venir vers moi. Il est temps que je t'achève. T'as gagné la première bataille, mais t'as pas gagné la guerre, fille. Ha! Ha! Ok, j'étais un peu rouillé, mais on va l'avoir. C'est ce que tu méritais, petite saloperie. Bonne nouvelle, c'est qu'elle nous donne du tissu et de la viande. On peut se faire des bandages. On peut nous aider à se laver les mains. Et dans la caverne, il y a une petite rivière partout. Faut faire attention aux nomades, par exemple, hein, parce que. Pour nomades, aux mineurs, c'est-à-dire. Parce que là. Je suis tout seul, hein, fait que ça va être. Ça peut être chaud comme rencontre. Tu m'as dit que ça arrive pas en même temps qu'une une chauve-souris. Ce serait le bout de la merde. Bon, là, j'essaie de naviguer d'une façon intelligente dans la caverne. Mais c'est pas facile parce que je suis. Pas le cristal au pot si je voulais aller. On va ramasser le cristal. Il y en a plus, hein. Tant que j'aurais fait un tour de la caverne au complet, j'aurais ramassé tout ce que je voulais pas mal. On est quand même chanceux à date, là. On a pas mal de cristal. On peut rester puis attendre le respawn, ça se fait, mais honnêtement, le respawn est tellement lent, je trouve que ça vaut pas tant la peine. Ça dépend à quel point vous avez besoin du cristal, honnêtement.
J'ai trouvé mes mineurs. Donc, ils sont combien? Ils sont 5? Holy shit, I'm gonna get killed. Je vais me faire botter le cul. Je pensais qu'il allait être 3-4. Avant qu'il sorte son... Ah! Ah! Hey, mais juste... Je t'assure. Je vais faire plus mal que ça avec ça. Son shotgun double canon, mais moi il m'a mal pogné parce que... Il m'a fait un égratignure ennemi. 1, 2. Bon, ben écoute, il était une armée, hein. Troisième sac ici. Je crois en avoir vu 5. Il y en avait au moins 4, là. Faut que je... J'attends la reprise vidéo pour être sûr. Je pensais que c'était quelqu'un, puis c'est... Ah, c'est peut-être ça. J'ai cru voir une autre personne, puis c'est peut-être un stalactite. Là. Stalagmite, c'est-à-dire. On dit stalagmite quand ça monte, stalactite quand ça tombe. Petit truc... plutôt cool pour s'en souvenir. Le seul point de repère vraiment que je réussis à me souvenir, c'est ici le rocher qui est là. On l'appelle affectueusement The Rock. Et c'est dans le fond, c'est parce qu'après, ça fait après ce point-là, ça se trouve à faire comme une loop. Fait que je parte à gauche, à droite, on devrait revenir sur notre chemin. Fait que je vais partir à droite, on va longer, puis on va revenir par la gauche. C'est pas mal ça l'idée. Donne-moi mon steak! Pas d'autres petits cristaux cachés. À date, 23, c'est quand même pas pire, pas pire. Il va nous rester évidemment à raffiner en disant la maison. Hein. J'ai été chanceux, je pense, que la chauve-souris m'infecte pas après elle m'a touché 3 fois. Là. Parce que j'ai pensé à bien des affaires, mais j'ai pas pensé à m'amener un antidote pour la chauve-souris, justement, expressément. Il peut y avoir 2 camps, je crois, dans la caverne. Peut-être. Genre, les dernières fois, on a vu juste un. Mais à ma mémoire, c'était 2. Peut-être que c'est dans la. Deuxième caverne, que c'est 2 parce qu'il n'y a plus. Ok, il y en a 2. Ah, voyons, j'ai manqué. Il était proche l'un de l'autre en plus. Hein. J'aurais pu facepull les deux en même temps, ça aurait été génial. T'as chargé ton shotgun, même, c'était pour ton tir avec. Écoute, je me plains pas, ça fait mon affaire que tu m'aies pas tiré avec le shotgun en face. Ils ont un drôle d'AI. Ils sont pas full logique, quoi. 1, ils se prenaient avec une arme déchargée. 2, ils construisent leur feu de camp derrière les murs. La première fois que je vois ça. Pourquoi je me disais, je devrais peut-être me patcher parce que genre je vais me faire attaquer par la chauve-souris. Il y a de l'action en tout cas aujourd'hui. Cocouche panier. Niveau 2, ça va vraiment que je vois niveau 2. À mon souvenir.
Elle a juste 5 points de vie de plus. C'est la différence. Ben là, c'est 3 balles pareil. Il est au pistolet avec le, au niveau de celui-là. Bon, ben je voudrais bien utiliser votre feu de camp, les amis, mais je peux pas. Il va m'avoir permis de ramasser, pardon, quelques points de vie avec la régénération au feu de camp. Mais sans plus. Je suis quand même pas à l'aise d'être dans la caverne. J'ai hâte d'être revenu à la surface. Peut-être que je suis claustrophobe. Puis je sais pas. Ou peut-être que c'est le fait que je sais que si je meurs, ça va être le bordel pour revenir. Puis. En tout cas, les. J'ai. Ça me surprend avec 3-4 chasseurs de mineurs en tout cas. Mais les chauves-souris ils peuvent en spawner d'autres. Et il a pu se faire surprendre puis j'aime pas ça. Parce que ça spot rarement avant que tu l'entendes. C'est que si j'ai besoin de changer de pioche, c'est parce que j'ai trouvé pas mal de minerais. Puis c'est drôlement silencieux. Tu sais, oui, il y a les petites gouttes d'eau qui dégoûtent, là. Mais on n'entend pas le vent, on n'entend pas. Tu sais, tous ces sons-là qu'on est habitué d'entendre en fond des. Ben, fond d'écran, pas fond d'écran, mais en. En arrière-fond. On les a pas, hein, quand même. Je me sens vraiment. Puis tout est très écho. Et voilà, on a fait le tour. Elle est vraiment pas très grande quand tu sais. Je pense que j'ai fait le tour au complet là. Il y a peut-être un autre endroit où je peux aller, je sais pas, mais pour ce que je voulais faire, j'ai pas mal fait le tour. D'habitude, on trouve tout le temps plus de charbon que de cristal, mais j'arrive pratiquement égal. Bon, j'ai dit ça en me revirant. Je m'en allais. Je pensais à cette phrase quand je me suis reviré et j'ai vu du charbon. J'ai dit, bon, mais là, tu vas me faire mentir, hein. Ouais, on me fait mentir un peu, petit coquin. Grosso dans la caverne, faut penser voyage à long terme. Il faut s'amener des vivres. Il faut s'amener des vivres, mais pas trop de stock. Parce que si tu meurs, c'est un trouble à revenir. Fait que t'es quasiment mieux d'attendre d'être capable de faire deux harnais de plongée. Ça, c'est pour être safe, là. Avoir deux harnais de plongée. Un backup. Ou du moins être capable d'en faire un deuxième. Comme là, je n'ai pas fabriqué un deuxième parce que je voyais pas le but. Mais s'il y a de quoi, je sais que j'ai fait les ressources nécessaires, puis la masse, puis l'énergie pour m'en capter un deuxième. En même temps, ça dépend à quel point tu étais désespéré pour du cristal. Parce qu'honnêtement, il n'y a pas d'autres raisons que le cristal pour l'instant de venir ici. Le charbon va peut-être avoir un usage plus grand plus tard.
si on pourrait avoir une raffinerie qui marche au charbon, ça pourrait être cool. Une genre de fonderie. Mais je pense pas. Je sais pas qu'il pourrait servir autre que. Que ça. Sinon, ben les champignons pour l'instant ça sert pas à grand chose, nous apporte à nourrir en termes de. Alors, si tu peux pas juste te baser là-dessus, faut vraiment que tu amènes des free games pareil, là, parce que c'est pas les champignons qui vont. C'est quand même pas spray 15. Ben, c'est l'équivalent, mettons, de. C'est un peu plus fort que les myrtilles bleues, là. Mais pas beaucoup. Il parle, que je suis pas allé voir. Est-ce que ça amène à la même place? J'ai toujours en tête que c'est un deuxième chemin. En fait, ça débouche nulle part, c'est ça? C'est ça qui me mêlait souvent, parce que je pensais qu'il y avait un chemin pour partir à gauche, puis l'autre chemin, mais en fait, c'est juste un chemin, puis au bout de ça, il y a une loupe. Donc ça fait un peu comme un œuf, si on veut. Neuf comme le chiffre, là, pas comme un œuf qu'on mange. La caverne, si on veut. J'aurais au moins appris quelque chose. Comment comprendre la carte de la caverne. Bon, ben écoute, je me fais mentir pas mal. Ben, je tantôt, j'avais genre 31 cristal, 33. Charbon, là, j'ai 34,55. Fait que, ouais, il y a plus de charbon que de cristal. Puis c'est pas mal tout le temps le cas, là, ça m'est jamais vraiment arrivé. C'est random, là, on le sait, mais point qu'il y a un ratio de probabilité, là, quelque chose comme 60% de chance, mettons, qu'une node apparaisse, que ce soit du charbon versus du cristal, je sais pas, là. Ça doit être programmé quelque part. Bon, ben, je vais rentrer. Je vais retourner à la surface avant que la nuit tombe. Je ferai pas, c'est ça, 40 fois le tour de la caverne. Excuse-moi, mieux de venir comme ça plus rapidement, vu que j'ai tant de choses à faire à la surface. Puis, honnêtement, au stade où j'en suis, fabriquer des bonbonnes, ça me coûte pas très cher. C'est du zinc, puis j'en ai en masse. Et voilà, on repogne la transition. Ce petit. Le petit S dans la caverne pour entrer, qui est vraiment là pour faire la transition entre les deux zones. J'ai bien l'impression, je sais pas si c'est moi, que les bonbonnes durent plus longtemps qu'ils duraient au début lorsqu'ils ont été. Lorsque la caverne est sortie. Parce que là, j'amène deux. Je n'ai même pas passé une au complet. Faire la plongée. Puis oui, j'ai trouvé comme tout de suite mon spot pas mal. Mais il me semble que ça nous prenait deux bonbonnes minimum pour descendre puis remonter. Peut-être que c'est dans ma tête. Ou bien. Et ça, c'est totalement une théorie qui vient de popper dans ma tête, là. Peut-être que la barre d'oxygène, elle aussi, s'allonge par rapport à l'endurance puis la stamina. L'endurance puis la vie. Je sais pas, il y a rien qui l'indique ça. Puis honnêtement, il faut que je fasse des calculs, là, plonger, voir combien de temps qu'elle dure. Mettons sur un nouveau personnage versus sur un personnage avec, comme j'ai là, un peu plus de points de vie. Mais je pense pas que ça change rien, honnêtement. C'est juste une idée qui aurait pu être. Quelque chose qui aurait pu être intégré au jeu. Qui pourrait être kind of cool. Ça couche déjà. Bon, on a passé pas mal la journée dans la caverne.
On sort pas mal avec une bonne poignée d'eau, à peu près pas, là, mais avec les deux groupes de chasseurs. Et ça, j'en range ça là, j'ai pas besoin d'avoir ça sur moi. Puis, j'ai fait beaucoup de circuits imprimés, en fait. J'en ai fait d'autres. Fait que je vais être bon peut-être pour faire des trucs plutôt cool dans les prochains épisodes. Peut-être commencer à regarder avec l'ascenseur. Ou peut-être le pirateur. Probablement plus le pirateur. On va voir ça là. J'ai... En tout cas, il va falloir que je fasse une collection de molotov. Et d'explosifs. Mais j'ai bien l'impression que la forteresse est sur le bord de déménager. Ouais, ça va être sympathique. Bon, faut que je rallume ça, moi. Faire des kits d'allumage, c'est un peu triste quand j'arrive et que j'ai pas de kit d'allumage pendant tout. J'aurais dû faire le quartz avec les cristaux avant de faire ça. Et il va falloir aussi que je me refasse des kits de crochetage. Pas pire. Pain de la poudre. Un canon, évidemment. Évidemment. Je sais pas, ça me prend juste les 8 de... C'est à peu près 2 pour 1 le ratio, là, un charbon versus ce que vaut un charbon contre du bois, là. Dans le fond, un charbon vaut à peu près 2 fois le bois, là. Là, ma plantation d'oignons. Oh, j'ai plus d'eau dedans. No, c'est pas bon. Et, by the way, juste spécifier, j'avais eu dans les commentaires des questions par rapport à les jardinières. Là, mais tant que la totalité de la jardinière n'est pas sous un toit, elle va pouvoir ramasser de l'eau de pluie. Si elle est à moitié sous le toit, oubliez ça. Elle va compter comme si elle était sous le toit. Peut-être qu'un ratio plus gros, mettons. Là, peut-être que c'est le 3 quarts. Mais moi, pour être sûr, tant qu'elle est 100% décollée dans dessous de l'eau, là, même s'il y a des murs ou whatever, je les ai testés et ils ont récupéré de l'eau en masse. Ça va pas, bang. Pas du jardinage. C'est comme ça qu'on jardine. On met les pieds dans nos plantes. Il faut se salir les mains, mais aussi les pieds. C'est très important. C'est respectueux et très profitable pour nos plantes de leur marcher dessus. Mes champignons, mais pas mes champignons. On va mettre ici. Puis, écoute, j'en manque pas mal de travail à faire pour parce que je prends du charbon pour un bout. Je vais mettre ici. Alright, hey, c'est pas pire, je suis content parce qu'on va pouvoir prochain épisode en profiter pour nos circuits imprimés là. J'en ai fait pas mal d'avance. Ben pas mal, je n'ai pas tant que ça là, mais pareil, on va se gâter. Puis, probablement que ça va être une attaque. Qu'on va détruire la forteresse. Fait qu'on sait, il manquait pas ça. Ça va être le fun. Nous, on va sauter la forteresse. On va la faire disparaître. C'est quand même cool ce qui se passe dans ce temps-là. Puis, sinon, bon, on va faire peut-être des améliorations. C'est un peu tannant à looter la forteresse tout seul. Parce qu'il faut que je fasse plusieurs voyages. Fait que je vais la détruire parce que c'est cool, là, mais je sais pas ce qu'elle va tomber, puis ça se peut qu'elle se ramasse plus loin encore. Ce serait positif et négatif parce que aller looter, faire 14 allers-retours à une grande distance. Ah, c'est de la nourriture, je vais me chercher. Hein. Je voulais manger. C'est un peu tannant d'aller faire la grosse aller-retour pour aller à la forteresse, mais en même temps, c'est plus loin pour peut-être être moins dans mes jambes.
que l'emplacement où elle est en ce moment est pas mal central. Pas mal à un endroit où je voudrais être capable de circuler puis de looter. Ça me dérange pas, tu sais, tant que ça, mais quand même, ça peut être déplaisant. En tout cas, bref, je vais pas mal terminer l'épisode là-dessus. Il fait noir, là, mais on a eu une bonne journée. Très, très productive. Et j'espère que vous avez apprécié l'épisode. C'est le cas, gênez-vous pas de me le faire savoir dans les commentaires. De me laisser un like ou de vous abonner parce que, évidemment, c'est une série qui est un jeu que j'adore. Une série qui est. Qui va se continuer. Oh, j'ai vendu mon toit. Et puis, ouais, c'est ça. Fait que, abonnez-vous si vous voulez voir plus de substance. Si vous êtes abonnez-vous. Mon dieu, je déparle aujourd'hui. C'est incroyable. Il y a des journées de même. J'ai trop d'idées en tête, puis ça peut tout sortir en même temps. Mais j'ai juste une bouche. Ouais. C'est pas facile la vie. Alright, c'était Doomsday89. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. On se voit dans le prochain. D'ici là, amusez-vous bien. Ciao!